go, 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 go! Nous sommes dans la grande salle du château Bonentente à Québec. Les coachs Mercier et Belaïev se serrent la main. C'est le signal de départ pour la rencontre au sommet entre le National de Québec, gagnant de la Coupe Stanley, et l'équipe nationale de l'Union soviétique. Un duel entre les deux meilleures équipes au monde. Un duel entre Pierre Lambert et Sergei Koulikov. La série de deux matchs constitue déjà un des grands moments de l'année sportive au pays. Jacques, Patrick Devon a des chances avec le National cette année? Oui, le jeune a du talent, on va voir, Linda. Et toi, est-ce que tu vas être encore là pour le voir jouer? Ou si tu vas dire oui à Frédéric Tanner? Frédéric Tanner? Oui, oui. Je lui ai même parlé, c'est un homme charmant, d'ailleurs. Linda Hébert, c'est confidentiel. C'était confidentiel. C'était. C'est juste une offre, hein? Comme ça, en passant. De toute façon, j'ai refusé. Jacques, la vérité, je la connais. Et le public a le droit de savoir que Jacques Mercier a reçu et refusé une offre de s'exiler en Suisse. Linda. Oui. Sors pas ça dans les journaux, veux-tu? Pas de suite. J'ai une décision grave à prendre, mais tu me donnes le temps de réfléchir avant de sortir ça. L'exclusivité? Tu vas être la première à le savoir. Yeah. Oh! Ça va mieux, matin? C'était pas beau quand Gino m'a téléphoné hier soir. Je me souviens plus de rien. C'est pas dans tes habitudes de te pacter à la fraise comme ça. T'as pas pris un coup depuis 2 ans, depuis que t'es avec Lucie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Tu te saoules comme un cochon, faut que j'aille te chercher à 3 heures du matin, tu pleures tout le long en revenant dans l'auto, pis t'as rien. C'est Lucie? C'est toujours Lucie. Je pensais qu'à elle. Pis elle. Je la retrouve dans les bras d'un autre gars. Un docteur. C'est vrai que j'aime. Tu l'as vu? Tu parles qu'il y a de l'hôpital. Un docteur! Un docteur! Un docteur! Un docteur, c'est instruit, ça s'est parlé. Moi, j'ai même pas fini mon cégep. Si je la perds, je vais plus vivre. Attends une minute, toi, là. Tu vas commencer par y parler à Lucie, puis après, ben, tu verras. Hein? Bon, là, tu vas goûter à ma grande gastronomie, puis si ça te tue pas, ben, lis ça. Ça devrait t'achever. Je pense que je suis là pour te remonter le moral, hein? Touche pas, malheureux. C'est de l'angora et de la soie. Bonjour, Carmen. Bonjour. T'as l'air de bonne humeur? Ben oui, je suis heureuse de te voir. Bien content pour toi. Oh, toi, tu couvres quelque chose. Passe une très belle soirée hier soir.
Oh, je suis allé au Saint-Germain. Plein de journalistes qui avaient du fun sur mon dos. La femme du gérant général du National, nommément Mme Guilbeault, a été vue faisant un tour de calèche avec devine qui? Le médecin de l'équipe russe. Gilles, prépares-tu ta défection? Gilles, il se vend du caviar à Québec aussi. Gilles, les Russes n'auront pas besoin de se casser la tête pour savoir nos plans de match. Oh non, ils n'ont pas osé. Oui. Oh, écoute, une simple balade en calèche. Je lui montrais Québec. Me dis pas que tu es jaloux. Docteur Kazanovski est un vrai gentleman. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir parler russe. Ah, c'est pour ça que tu es venu. Tu es inquiet. Alors peut-être que je devrais me promener en calèche plus souvent. Donne-moi un baiser, idiot. Grand baiser, magasin, là. Écoute, c'est ma boutique. Et puis nous sommes mariés. Let's go, Brescia! Vous êtes sans glace, toi? Oh, pas aujourd'hui. Pratique optionnelle. Arrive, bordel. J'arrive. Ça fait 10-3 ans, Joanne. Ben, vraiment, ça marche plus depuis 86, mais tellement belle. Ouais, ça l'est de ton, Patrick? Petit cœur, tu vas voir. Tu l'aimes vraiment, hein? Ouais. On est vraiment en amour. Cette fois-là, c'est du salé. Pour une fois. Hein? Wow! Regarde! C'est Marc Gagnon puis le Big Mac! Et t'es chanceuse! J'aurais jamais dû prendre le drone. Oh, Joanne, s'il te plaît, là. As-tu? Hein? Salut, ouais. Mon Lulu. Qu'est-ce qui se passe, hein? T'es bon? Non, il est pas pire, le François. Hein? Non, pas pire, pas pire. Qui, elle? Moi, c'est Jojo. Je suis la sœur de Linda. Ah! Lucien Bovin, un confrère. T'as une sœur? Ça me surprend. Je pensais qu'après toi, tes parents avaient décidé de plus n'avoir. Hey, bonhomme, là. Si tu veux rire de ma sœur, là, moi, je vais te mettre mon poing dans le front. Attention, Lucien. C'est juste une farce. Ben, fais-en des meilleurs. Ah, ben, là, je... On va pas de party ici à soir. Hein? Oula. C'est insensible, Lucien. Hey! Bon, on pratique un power play. Quand la puck va dans le coin, tu vas en chercher, sors avec. Okay? Hit the rookie. Fais attention, il va essayer de te planter. OK, let's go! Tu t'en vas à Paris, puis tu reviens avec un joueur de hockey. Puis devine qui me l'a présenté. La seule et unique... Marie-Lou! C'est vrai! Oui, Patrick, lâche pas, merde, fesse de dents! C'est pour savoir ce qu'il y a dans le cœur, c'est le hockey. T'as plus le cœur, t'as plus rien. C'est correct? Hum? Pas payé pour un Français? Wow! Il se déshabille devant toi? Eh ben... Joanne, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? OK. Bon, ben, on verra ça à la fin de la saison. C'est ça, Guy. Salut. Ah, Max! Grosse saison encore cette année. Qu'est-ce que tu penses de Patrick Devon? Ouais, un bon coup de patin. Bien du cœur. Trouve pas ça un peu frustrant de toujours jouer dans l'ombre de Lambert? Hey, the man helped us win 2 Stanley Cups, and don't you forget it. Salut! Encore là, toi? Ben ouais. Salut, fais un autre main. Salut, Pierre. Hey, Pierre! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Penses-tu faire une autre saison de... Comment ça comptait de bien, les boys? 52 buts, 60 assists. Ah oui, puis Martin, lui? 17 buts, 22 assists, une moyenne de 17,9. Puis Templeton? 246 minutes au banc des punitions, 150 points de tir. Comment tu fais ça, toi? J'ai les statistiques. Salut, Lulu.
Enchanté, mademoiselle. Bye. Vas-tu me dire que tu connais les statistiques de tout le monde? Ben ouais. T'es au bout de ça, hein? Tu veux-tu gager? T'es au bout de ta sœur, hein? Hey, je te dis les stats, c'est choum, 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 hein? T'es hey. Beau quand tu souris, toi. Bon, allez, Joanne. Ah ben. Tu veux, toi? Hey, Lulu! Beau petit serin! Ah, je suis gagnon, tu sais, Non. Je peux pas y faire ça. La dernière chance qu'il y a de jouer du hockey international. Il y a pas les jambes pour jouer contre les Russes. Oh, puis regarde-moi pas comme ça, je suis décidé, je l'habille pas. Correct, correct. Fâche-toi pas, c'est toi le coach. Bon, ben, je suis pas aussi bien d'avertir. Non, non, moi le faire, c'est ma job. Écoute, faut que je te mette au courant de quelque chose. Vas-y, c'est ma journée, frappe-moi. J'ai été demandé pour coacher l'équipe de Fribourg en Suisse. Et en plus, ils veulent m'avoir pour coacher Team Europe s'il y a la Coupe du Monde. Commence-moi donc ça tranquillement. Pas dur d'oreille pourtant, moi. La Coupe du Monde, toi en Suisse. Fais-tu mal là-dedans, matin? Là? Voyons, la Coupe du Monde, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Ça négocie fort, en tout cas. Notre position est claire. Vous avez besoin de nous pour redonner du prestige au hockey nord-américain. Si tu compromises, vous dites pas vrai, tu m'iras voir Kubok. Tout compromis serait au détriment de la Coupe du Monde. Mais à cause de vous, votre contre-pédagogie. Nous refusons votre contre-proposition. S'il vous plaît, Monsieur Tanner, voulez-vous lui parler? Yeah, talk to him. Monsieur Zhukov, la Coupe du Monde sans les Américains est impossible. Tony, vas-y, mon nom est American. Monsieur, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques se retire de la Coupe du Monde. Il bluffe. Je l'espère pour vous, Monsieur Thériault. Sans les Soviétiques, pas de Coupe du Monde. Et adieu les millions de dollars des réseaux de télévision européennes, américaines. Messieurs. Ah, tu peux pas comprendre. Comprends. Jacques. T'es plus qu'un coach pour moi. T'es devenu un ami. Un maudit bon à part de ça. Mais il reste une chose. Moi, je suis le boss du National. T'as signé un contrat avec nous autres puis il est encore bon pour 18 mois. Tu me laisserais pas passer à côté d'une chance comme ça. Jacques, t'es le meilleur coach dans le business. Je veux pas. Je tiens pas à te perdre. Puis y a pas un homme qui a assez de guts pour chausser tes patins. Gilles. Pense à mon petit gars pendant 30 secondes. Jacques, comment tu veux que je fasse avaler ça à Goldman? Je suis pas capable. M. Lambert. Oui, Lucie. Je me pose aussi la question. Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Elle doit être très troublée. Ça, c'est ta faute! Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Je ne vous laisserai pas faire. Vous me flattez, mais je suis aussi impuissant que vous. Lucie contrôle sa destinée. Est-ce que je peux faire d'autres choses pour vous? C'est bien ce que je croyais. Excusez-moi. Thank you.
Comment ça s'est passé? Rien. C'est qu'il y a? T'as pas l'air affilé? Hey, hey! Francis, tu sais ce qu'on s'est dit, hein? Pas de secret entre nous deux, c'est vrai, ça? C'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qui se passe, là? Mes amis m'ont dit que je jouerais pas contre les Russes. Ils l'ont dit à la radio. C'est parce que t'es pas assez bon. Ils ont dit ça à la radio? Ouais. Ça, je sais pas si c'est vrai, Francis, mais moi, de savoir, puis vite. Linda, Eric Murdoch. Ben oui, pourquoi pas David Bowie aussi. Linda, regarde, il est là, c'est lui. Plus, Eric Murdoch, c'est pas le genre d'écrivain à venir perdre son temps avec des petits journalistes, voyons. Un gars tellement fendant, on dirait qu'il va casser en deux. Bonjour. Je vois qu'on va s'entendre à merveille. J'aime bien le monde qui me trouve fendant. Monsieur Murdoch prépare un livre sur le hockey professionnel. Il a demandé à... Rencontrer la meilleure langue de vipère du hockey professionnel. Oh, que c'est ça, ces manières sauvages-là? J'ai essayé de vous prévenir, mais M. Gagnon m'a pas laissé le temps. J'ai affaire à toi. Merci, Louise. Je te verrai plus tard. Si tu vois ce qu'ils disent à la radio? Marc, tu veux me parler? Calme-toi, puis assis-toi. André Simon annonce à la radio que je jouerai pas contre les Russes après-demain. Là, tu vas y faire ma gueule à ce gros tas de marde-là, parce que moi, il m'a y formé. Jacques et moi, on a pris la décision. T'es plus assez vite pour les Russes. Mon sacrement. Tu fais une erreur, Jules. Je suis pas fini. Marc, tu donnes du 200%, tu travailles fort. Mais t'as 36 ans. Les Russes sont jeunes, puis ils patinent vite. Si on te choisissait, ça serait basé sur ta réputation passée, pas sur le présent. Marc, commence donc à penser... Laisse faire le pensage. Ça fait 16 ans que je joue dans la Ligue nationale. C'est avec l'expérience que tu vas battre les Russes. Puis ça, l'expérience, ça s'achète pas! Mais ça pourrait servir ailleurs, Marc. Ouais, ça passerait, oui. Je t'avertis, c'est pas fini, cette histoire-là. Lucie n'est pas là? Non, on travaille. Oh, ben j'ai appelé l'hôpital, elle n'y est pas. Viens ici. Assieds-toi. Assieds-toi près de moi. Parle-moi. Ça va pas avec Lucie? Ce que je sais, moi. Tout ce que je fais me pète d'en face. Chaque fois que je souris, j'essaie d'être gentil, on dirait que je l'indispose. Je sais plus quoi faire. Tu me dis tout? Oui. Tu sais, quelquefois, quand on aime beaucoup, on pèse trop sur l'autre. Ça m'appelle ton père. Il méritait tellement. Il me regardait comme si j'étais le centre de l'univers. Pierre, Lucie est une femme d'aujourd'hui. Elle ne veut rendre de compte de ce qu'elle fait à personne, même à toi. Il faut que tu l'écoutes. Je fais rien que ça, l'écouter. Et qu'est-ce qu'elle veut? Toujours du temps. Elle en vaut la peine. Alors, c'est simple. Tu vas voir, tout va s'arranger. Pourquoi un livre sur le hockey, M. Murdoch? Et pourquoi m'avoir choisi moi pour vous aider? Je pourrais très bien refuser. Il n'y a personne qui m'y oblige. Personne? Personne. Alors, pour répondre à vos questions, pourquoi un livre sur le hockey? Notre société se cherche des héros. On paye une petite fortune. Et vous? Parce que j'aime votre force.
Faut que je te parle. T'aurais pas pu me le dire d'en face que je vois pas contre les Russes? C'était pas encore officiel. Deux ans pas, soir ou demain matin, tu l'aurais su. Écoute-moi bien, Jacques Mercier. Y a personne qui va me forcer à accrocher mes patins. Y a personne qui te force, Gagnon. C'est toi qui vas prendre ta décision. Il va falloir que tu commences à penser à faire d'autres choses. Coacher, par exemple. Coacher. T'es dur. Faut aimer ça. Tu feras un bon coach. Niaise-moi donc. J'ai pas envie d'être comme toi. Un écœurant, tu viens ça. Ça fait partie de la game. Pensez. Des années à t'user ça à Atlas, mais à un moment donné, il décide que t'es fini, tu sais. Tu l'as pu. Ouais, décolle, Gagnon, t'as assez vu. C'est drôle, tu l'as pu. J'ai pas 20 ans, mais je sais que je suis pas fini. Puis ils vont le regretter. Eux autres, c'est qui sont quand ça va mal, hein? Inquiète-toi pas. J'attendrai pas que le monde crève pour moi. Quand tu roules à la planche, t'es le meilleur, t'es le plus fin. Un des bâtisseurs du Colisée de Québec! Une couple d'années après, t'es une nasty pourrie. La foule, c'est bête, Pierre. Ils t'aiment, mais faut pas que tu baisses, tu sais. Sinon, c'est un autre, pis vite. Dors le vieux, tu sais. Donnez-nous le jeune. On veut Lambert. C'est-tu qui m'écœure? Marc. T'es le meilleur joueur de hockey que je connais. T'as rien regretté. Tu peux te promener de la tête haute parce qu'il y a personne qui peut chausser tes patins. Moi, parti comme je suis là, si je fais la moitié de ce que t'as fait, je vais être content. Tout mon petit sacrement, tu vas être le premier à me dépasser. Puis, un jour, il va y avoir quelqu'un pour me dépasser, moi aussi. Toi, comment ça va? Elle a filé gros, avec Lucie. Si ça continue, elle sera plus ma Lucie bien longtemps. Et toi? Trop de fantômes ici.
J'aurais pas dû te parler de la visite de Tanner. T'as assez de soucis comme ça. Non, c'est OK. Y'a pas juste moi. T'imagines si Jimmy pouvait enfin avoir la chance de marcher, de courir. Ta vie est ici, Jacques. T'es un homme d'or, Guy. Tous tes amis sont ici. Mais quoi que tu décides, moi, je te suis. Après tout, t'es ma French Connection. Se voir pendant une semaine. J'ai besoin d'être seule pour prendre un peu de recul. La game à soir. Tu viens pas. Je te promets que je ferai tout mon possible. C'est déjà assez dur, ne rends pas les choses plus compliquées. As-tu parlé à Guilbeau? Qu'est-ce qu'il y a, Linda? Ben voyons, Jacques, tu sais. Linda, je peux pas parler. Fais rien, moi. Ça fait 2 jours que je suis assise sur l'histoire. Demain, t'en liras dans le journal. OK, sors-là ta nouvelle. Sors-là ta nouvelle, puis m'a tout nié. Puis si tu continues à insister, là, après la rencontre sommet, c'est à Lucien Boivin qui m'a tout raconté. Fait que tiens-toi donc tranquille. Comme je te connais, je sais que tu préfères la qualité. Hey, vous allez planter à soir, hein, Pierre? En tout cas, on va tout faire pour les battre, hein, le chat? Gaz au fond. Maman, est-ce que Lucie vient? Oui, oui, je l'attends. Camarades, c'est du secrétaire général de République socialiste soviétique en personne. C'est un honneur extraordinaire. Notre peuple suisse se rencontre avec fierté et confiance. Thank you.
Hey, Bradshaw. Assois, brise non pas ton hockey pour rien. Bande de flammes. Pour l'honneur du sport soviétique et de votre patrie, remportez la victoire pour qu'on vous accueille en héros. Camarades, je n'ai rien d'autre à ajouter. Hey, la gang de tête d'athlète, là, réveillez-vous! J'ai déjà vu du monde plus vivant d'un enterrement. Rappelez-vous une chose. Si on n'est pas prêts, eux autres, ils vont l'être. Ils veulent pas se retrouver en Sibérie. Hey, une de nos femmes, là, hein? On sait ce qu'on a à faire. Ils sont aussi nerveux que nous autres, l'autre bord. Si ça glace, ça joue. Let's go. Let's go! Ta sœur? Oh non, elle a 2 mois de rattrapage à faire à l'université. Ah ouais? Avec la mémoire qu'elle a, ça devrait pas être un problème. Une belle fille, à part de ça, hein? Ah oh, ouais, belle. Oh, non, 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 je sens de même, là. C'est juste que. Ah, tu me connais. Tu me connais, là, tu sais. Juste que. T'as un peu de commode, tu sais. Tellement. Regarde-moi pas de même.
J'ai l'impression que je peux écrire mon papier. Ça va être du 6-1 ou du 7-2 ce soir. De téléspectateurs, vous avez trouvé le moyen d'avoir l'air fou! 100 millions qui viennent d'apprendre que la meilleure équipe de hockey professionnelle est prête à tenir son bout devant quelque pop-off! C'est bien simple, je sais plus quoi dire de vous autres. C'est ça. C'est rien. C'est dommage, Gagnon, qu'il y en a qui sont bons pour parler puis pas assez bons pour jouer. Garde-moi ça. Templeton, Lambert, jamais à bonne place, toujours poigné dans le trafic. Jacques, cette équipe-là était mal préparée, puis ça, c'est ta responsabilité. Ça va être beau dans les journaux demain. J'ai pas d'excuses. Pas des excuses. Ce que je veux, c'est des victoires. N'avons-nous pas, là. C'est ça, le hockey. Une journée, tu gagnes, le lendemain, avec la même équipe, tu perds 10-0. C'est quoi leur faiblesse? Les sorties de zone, ils font une passe de trop. On travaille l'échec avant. M'excuse, Jacques, mais j'achète pas ça. Ce qu'on a besoin, c'est de l'expérience. Rabille Marc Gagnon. Paniquera pas sur la glace, lui. Il y a quelque chose à prouver. Nous remercions la délégation soviétique d'être venue à la table de négociation. Messieurs, il ne dépend que de nous de créer la Coupe du Monde, ce qui serait une bonne chose pour le sport. Pensez au Mondial de football. Nous pouvons créer un événement interplanétaire, à condition de résoudre nos problèmes. Oui, mais on ne peut pas changer le calendrier de la Coupe Stanley. Votre Coupe Stanley ne perce même pas le marché de la télévision américaine. Donc, qu'avez-vous à perdre? Monsieur Webster, la Coupe Stanley va probablement perdre certains de ses meilleurs joueurs. D'accord, mais une fois tous les quatre ans. Pensez au prestige de la Coupe du Monde. Vous ne pensez pas que vous pourrez convaincre vos supporters? Nous tenons à rappeler à la délégation suisse que la proposition se lit une Coupe du Monde chaque deux ans. Monsieur Zoukov, cette fois, vous allez un peu trop loin. La délégation soviétique ne veut pas négocier de bonne foi. Alors je dois recommander à ma fédération qu'on discontinue les négociations. Gentlemen, we're leaving. Merci, mademoiselle. Allô? Ah ouais? Ah, OK. Ah ouais, inquiète pas, je vais être prêt. Ouais, ouais, ouais. OK, salut! Je joue contre les Russes demain soir, puis je vais scorer un but juste pour vous deux. Listen to this, guys. Linda Bell says, our fat cat showed us their real colors last night. They're fat cat millionaires who play fat cat hockey. What a bitch. Eh, maybe she's right. Didn't improve much last night. Hey, Martin, personne parle en anglais à Templeton, compris? Quoi? Nobody's gonna talk to you in English. Minable hier soir. Vraiment minable. Ça fait combien de temps que vous jouez au hockey? C'est pas encore qu'il faut suivre, puis patiner, puis contrôler le puck pendant 60 minutes? C'est pas encore qu'il faut être enragé pour gagner une game de hockey? À soir, je veux pas de niaisage. À soir, les Russes, vous leur rentrez dedans. Gagnon, tu joues au centre? Ben ça, au centre? Ça fait 10 ans que j'ai pas joué au centre. Tu joues au centre. Lambert, tu couvres Koulikov. Hey, les gars, gagnez-la pour moi, puis je prends ma douche tout habillée. Hey, Nounou, tu vas prendre une douche, les gars, on peut pas perdre, let's go!
stuff, man. Let's go, come on. Voici Martin, la passe à gauche, Templeton devant le filet. Il lance et compte! Le but marqué par Van Denton, assisté de Grosch, un magnifique but qui redonne la priorité d'un point au national sur l'Union soviétique. Et avec moins que l'autre de 3 minutes à faire dans le match, la victoire semble maintenant possible pour nos représentants qui jouent un bien meilleur match qu'hier soir. Le but du national, fondé par le chose pour toi, Gagnon. Une minute chaque, OK? Une minute, ils sont faits. Let's go! Move on! Les entraîneurs envoient des forces fraîches, mises au jeu importantes pour le national. Et le but, Marco Gagnon, super! Félicitations, mon ami. Beau match. Pierre, il faut m'aider. Je vais passer à l'ouest. Sergei, nous t'attendons.